Donc, si c'est la première fois que vous rentrez à la Classroom GitHub, je vous conseille d'aller aussi à GitHub Éducation. Donc, dans GitHub Éducation, si vous êtes un enseignant ou un étudiant, vous pourrez demander un discount. Le discount, en fait, qu'on obtiendra à l'ISAE-EDULB, et si vous avez créé votre compte en utilisant ISAE-EDULB, vous pourrez avoir une infinité de projets privés. En général, 5 projets privés coûtent 7 dollars par mois. Donc là, vous allez pouvoir dire qui vous êtes, hein, un étudiant, un enseignant, un chercheur. Si vous voulez un compte individuel, bien sûr, c'est le cas. Et vous ferez Next. Et vous mettez ici absolument votre compte avec ISAE-EDULB. Je les ai déjà contactés. De toute manière, le fait que dans le domaine, il y a le terme EDU et que s'ils regardent les conditions d'obtention du domaine, ils sauront qu'au Liban, il faut absolument faire les preuves que vous êtes une institution éducative pour qu'on vous donne ce genre de domaine. Et vous remplissez ici ISAE-CNAM Liban et vous dites ce que vous voulez, comment vous comptez utiliser GitHub. Vous pouvez dire pour faire mes projets, pour faire mes enseignements. Et vous faites cette requête, vous recevrez dans les 5 jours, et maintenant, comme ils ont maintenant dans leur stock ISAE-EDULB, que c'est bien une université, vous aurez rapidement la réponse, en général en moins de 5 minutes.